L'Union nationale des forces populaires reste fidèle à la conception qu'elle a toujours préconisée, à savoir qu'il n'y a pas de stabilité, qu'il n'y a pas de barrage possible à toute aventure quelconque, s'il n'y a pas une confiance dans la volonté du peuple marocain. Par conséquent, pour nous, plus que jamais, à l'heure actuelle, il y a une seule façon de pouvoir remédier à la situation, une situation excessivement grave, très dégradée, sur tous les plans économiques, social et surtout sur le plan de la confiance. Une seule, c'est de donner la parole au peuple, de revenir au principe démocratique sain. Bien sûr, nous ne demandons pas la démocratie à l'anglaise. Nous savons bien les données spécifiques de notre pays. Mais tout de même, sans participation du peuple marocain, sans institutions démocratiques librement élues, sans donc institutions structurelles, il n'y a pas de contrepoids possible à d'autres aventures possibles qui pourraient arriver le lendemain. C'est pourquoi il faut revoir la Constitution. Il faut procéder à des élections libres. Il faut ouvrir le dialogue avec le peuple.